Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Agora Média pour les journées digitales et internationales de la supply chain organisées par Agora Club Manager. Tout d'abord, deux choses à ne pas oublier avant de débuter ce nouvel échange. Pensez à voter, vous avez jusqu'à demain pour élire la Startup 2020. L'Agora des directeurs Supply Chain et Sprint Project vous invite à vous connecter pour élire la Startup de cette année. Deuxième chose à ne pas oublier, nous sommes dans un webinar sur GoToWebinar. Il y a une petite barre sur votre droite où vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. N'hésitez pas, pendant 45 minutes, nous prendrons le temps dans le dernier quart d'heure pour répondre à l'ensemble de vos questions. Pour cette nouvelle conférence, il sera question d'énergie verte et de supply chain. Et nos invités débattront sur les solutions pour adapter les infrastructures logistiques et assurer leur transition énergétique. Dans ce temps fort, nous parlerons donc de la place de l'énergie verte dans la supply chain, notamment, mais également du bâtiment pensé et conçu en tant que centre de profit énergétique, notamment. Pour cet échange sur ce sujet passionnant, nous avons le plaisir d'accueillir Tariel Chamerois, directeur développement durable chez DB Schenker. Bonjour Tariel. Bonjour. À vos côtés, nous accueillons Fabien Esnou, président du Spring Project. Bonjour Bonjour. Fabien. Et à vos côtés, Marc Esposito, directeur innovation chez GSE. Bonjour Marc. Bonjour. Première question pour introduire un peu le débat. Ça vous évoque quoi, l'énergie verte et la supply chain? Marc, Tariel? Bien, moi, je dirais que probablement que quand on pense supply chain, on ne pense pas forcément d'abord propre, énergie verte. Il y a peut-être d'ailleurs là-dedans, et dans les lois qui arrivent, on en parlera, quelque chose à se faire pardonner de la supply chain, parce que supply chain égale transport, égale bâtiment, et bâtiment plus transport, je pense qu'on doit avoir les trois quarts des rejets de CO2 dans notre pays, en tout cas. Mais tout le monde est impliqué, ouais. Et vous, Tariel, en tant que professionnel? Je pense que c'est un des enjeux majeurs auxquels on n'a jamais fait face. Je pense que c'est valable pour tous les modes de transport. Évidemment, on pense au transport routier de marchandises, mais aussi à tous les autres modes de transport, et évidemment à l'avion. 1 000 grammes de CO2 à la tonne kilométrique pour un avion, 100 grammes de tonne kilométrique. De grammes à la tonne kilométrique pour un camion. Donc, enfin, je veux dire, on déplace beaucoup plus de marchandises en faisant moins d'émissions avec un train, un bateau qu'avec un avion. Donc, évidemment, on roule à 98% avec du gasoil. C'est ça dont on parle. On est dans un monde où le transport représente un tiers des émissions de CO2. Le transport, la mobilité au sens large. Et on a un cadre réglementaire qui va se durcir. Donc oui, je pense qu'on n'a jamais fait face à ce type de transformation. Donc, Vos enjeux à court terme pour vous chez DB Schenker sur le sujet? on a fixé les objectifs déjà. C'est une bonne chose. Ça a été fait en 2006. On a travaillé déjà sur comment on mesure les émissions de CO2 pour un des gros commissionnaires de transport. Donc, en se dotant, en créant, en faisant de l'innovation avec une société, à l'époque, c'était une start-up, appelée EcoTransit, et on est capable de mesurer au moins les émissions. Ensuite, on a fixé les objectifs. On était un peu prudent au départ. En 2006, on les a fixés à moins 20% à l'horizon de cette année. On les a rehaussés à moins 30% pour donc fin de cette année. On va y arriver. Et puis, on les fixe à moins 50% à l'horizon 2050. Et là, ce n'est pas l'éco-conduite, les changements de véhicules, l'arrivée de l'Euro 6 et même de l'Euro 7 qui nous le feront parvenir. Donc, il faut s'attaquer à l'énergie en elle-même pour réussir le challenge. Donc, ce n'est pas qu'une question de flotte, c'est une question. Exactement, oui. On a, je pense, œuvré, toute la profession a œuvré de manière significative. Je veux dire, les rejets en termes de particules sur les 30 dernières années, c'est moins 97%. Les NOx ont été réduits aussi du même chiffre, à peu près, hein. La réduction en termes de carburant des véhicules a fortement réduit aussi. On a fait de l'éco-conduite. Enfin, il y a tout le programme Objectif CO2 lancé en 2008, si je ne m'abuse, par l'ADEME. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on ne s'est pas encore attaqué clairement sur la partie énergétique. La France a des idées, mais pas de pétrole. Bon, ben voilà, c'est un peu le renouveau de cette question, je crois, qui se pose
dans les années à venir. Et je pense qu'on aura une période compliquée sur les 10 prochaines années où le mix énergétique, il va falloir le challenger en fonction des cas d'usage qui sont devant nous. D'où le lien avec la partie immobilière. D'accord. Et si, question pour vous, Fabien, si on doit finir de planter le décor, énergie verte, supply chain, ça évoque quoi chez vous ? Ah bah c'est, je vais reprendre de toute façon les paroles, que ce soit de Marc ou de Tariel, ça évoque un enjeu colossal et un défi complexe pour un métier particulier. Ici, on est dans le temple des experts de la supply chain, mais à la fois, on a des métiers méconnus qui pèsent pourtant lourd sur le PIB. Hein, c'est 10% du PIB français, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires, c'est 1 800 000 emplois en France, donc ça ne faut quand même pas l'oublier, avec la particularité d'avoir des entreprises qui sont... Pour la plupart des entreprises avec des faibles marges, c'est une des particularités de cette économie. Hein. Les meilleures entreprises de logistique et de transport de notre univers font 2, 3% de résultats par an. Donc on est très très loin des industriels, de la pharmacie ou du luxe. Ouais. Ou voilà. Donc la proportion à réinvestir en R&D est limitée. Alors, et en même temps, on parle d'une transition énergétique fantastiquement complexe. Allez expliquer à quelqu'un qui achète des navires pour transporter des containers et qui fait des paris à 30 ans, enfin, acheter un porte-container, c'est un pari à 30 ans, qu'il va falloir repenser complètement le schéma énergétique de ces bateaux sur des investissements qui sont absolument colossaux avec des risques économiques majeurs. C'est pas un petit défi, c'est une volonté à très long terme. Donc je pense que le mot défi est presque pas adapté à notre écosystème. Fort, ouais. Il est au-delà de ça, et voilà, on y reviendra, et c'est... Voilà. Et souvent, et après, il y a une autre problématique qui est liée à nos métiers, c'est l'interprétation qu'on en fait de façon grand public. Et là, ça sera plutôt une casquette un peu politique. C'est-à-dire que très souvent, on va voir nos métiers comme extrêmement peu loin parce qu'on regarde un camion devant soi sur une autoroute, alors qu'en fait, les enjeux majeurs ne sont peut-être pas exactement là. Peut-être que le défi de l'aérien, par exemple, est un autre débat, et Tariel ouvrait le sujet. On parle aussi un petit peu de la problématique des bateaux. Donc mais voilà, on est à une échelle mondiale dans ce coup-ci. On n'est plus à une échelle locale. Donc on peut toujours dire, oui, il faut des camions Euro 6 pour rentrer dans les villes. Oui, mais d'accord, mais enfin, si on ne règle pas le problème à l'échelle mondiale, ce n'est pas au niveau local qu'on va le résoudre non plus. Donc, c'est l'impact. Voilà, donc c'est aussi des débats qui intègrent des problématiques politiques majeures. Et là, il y a une problématique de compréhension des enjeux des uns des autres. Le consommateur qui drive le besoin, l'acteur logistique et le retailer qui essaye de le servir, et l'acteur politique qui essaye d'orchestrer la vie du citoyen. Tout ça, c'est... Voilà, on voit le mot défi est un peu faible pour moi. Il y a une complexité extraordinaire, effectivement. Ouais. On va pas tout de suite parler de navires, ou du moins d'avions, ou de mobilité sur route. On va d'abord parler bâtiments. Je me tourne vers vous, Marc. Les bâtiments logistiques, aujourd'hui, vont avoir l'obligation de générer de l'énergie verte. Ça va être la loi. Une obligation, plus que ce dont elles ont besoin, finalement. Comment on peut remettre, dans quelle mesure on peut remettre cette énergie dans la supply ? Alors déjà, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la loi, en fait, elle dit qu'on peut produire de l'énergie verte ou faire de la toiture végétalisée. Mais par contre, là, il y a l'économie qui rattrape, c'est que produire l'énergie verte, on a des chances d'être un minimum et de le devenir de plus en plus rentable, alors qu'aujourd'hui, la toiture végétalisée n'a aucune chance de rentabilité économique. Et c'est pour ça que probablement, quand même, on fait ce raccourci en disant on va produire l'énergie verte. C'est vrai. Et donc, on parle de la loi énergie-climat, qui est du coup effective depuis novembre 2019. Et qui impose 30% des toitures logistiques. Alors, pas que les bâtiments logistiques, mais les bâtiments logistiques en font partie. Et la bonne nouvelle, c'est que les bâtiments logistiques ont d'énormes toitures dont on ne fait rien, d'ailleurs, dont on ne fait rien. Donc, la loi, elle va dans le très bon sens. Je pense même que probablement, quand on parle de 30%, on va aller plus haut parce que finalement, pourquoi se limiter à 30% alors qu'on peut aller à 60% quand on enlève, on va dire, les parties techniques des toitures. On peut aller à 60% et c'est certainement, je pense, ce qui va se passer. Mais effectivement, ça pose un problème, c'est que les bâtiments logistiques... Alors étonnamment, les bâtiments logistiques font partie, en tout cas dans le monde tertiaire, des bâtiments les moins consommateurs d'énergie. Ils consomment moins que les bureaux, évidemment moins que les centres commerciaux, etc. Alors en moyenne, parce qu'effectivement, quand on parle d'un bâtiment frais ou froid ou un congélateur, là, c'est beaucoup plus. Mais 80% des bâtiments qu'on construit chez GSE sont des bâtiments qui sont dits secs, c'est-à-dire pour stocker des produits... globalement sans chauffage et sans refroidissement. Et ce sont des bâtiments qui ne consomment pas beaucoup. Essentiellement, il y a deux postes de consommation majeurs. Le premier, très clairement, c'est l'éclairage.
de l'éclairage qui se fait d'ailleurs toute la journée, hein, y compris la journée. C'est des bâtiments qui sont tellement grands qu'on est toujours loin d'une fenêtre, donc même à midi en été, on éclaire. Et puis, c'est aussi déjà quelque part du transport. On met une grosse part de la consommation qui sont les batteries des chariots élévateurs dans nos entrepôts. Malgré ça, si on couvre 30% ou a fortiori 60% de couverture, alors en énergie renouvelable, aujourd'hui, on fait aussi l'amalgame avec photovoltaïque parce que c'est aujourd'hui, je crois, le plus simple et le plus rentable, la plus rentable des énergies vertes à installer sur une toiture de bâtiment. C'est quelque chose qui est relativement léger, qui est directement dirigé vers le soleil, donc ça fonctionne bien. Et pour faire simple, on a fait le calcul, un bâtiment sec avec 30% de sa toiture, il produit autant qu'il consomme. C'est l'ordre de grandeur, la même chose. Mais on parle sur un niveau annuel. Et la réalité, c'est que les énergies renouvelables, qu'elles soient solaires, qu'elles soient dans le vent un petit peu moins, mais elles sont par définition intermittentes. Le solaire est extrêmement intermittent puisqu'il est surtout la journée, pas du tout la nuit, et beaucoup l'été et peu l'hiver. Et donc, on a un problème de phasage entre le moment où on produit et le moment où on consomme. Donc, quand on dit qu'un bâtiment, il produit exactement ce qu'il consomme, en fait, si on regarde bien, il a besoin d'un débouché autre que le bâtiment ou d'un débouché, en tout cas, différé dans le temps sur 80% de sa production. Il y a 20% qui vont dans le bâtiment. Globalement, l'éclairage consommé, pour faire simple, en été, la journée. Et donc, ces 80%, il faut en faire quelque chose. Et aujourd'hui, en fait, d'ailleurs, la réglementation est passée là-dessus sur l'obligation de produire cette énergie verte, mais la réglementation n'est pas encore passée sur qu'est-ce qu'on fait pour utiliser cette énergie verte. Alors, on dit qu'elle n'est pas passée, c'est ce qu'on appelle finalement les mécanismes de subvention à l'énergie verte. Et typiquement, ça fait un moment que ça existe, ce qu'on appelle les appels d'offres de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui propose de racheter cette énergie moyennant des systèmes assez complexes, très complexes, parce que très français d'ailleurs, un système d'enchères inversées pour proposer des tarifs de revente. Mais malgré tout, aujourd'hui, il y en a un niveau limité. En plus, ça s'arrête en septembre 2020. En tout cas, donc demain, la loi n'a pas prévu encore. Enfin, je sais que c'est en cours, hein, ça va certainement continuer, mais ce n'est pas encore officiel. Donc, combien de mégawattheures l'État va continuer à racheter des énergies vertes? Ça, ce n'est pas encore très clair. Et puis, quand bien même, faut-il continuer à vendre et à subventionner cette énergie verte qui, pour autant, devient très rentable? Aujourd'hui, un entrepôt logistique, il est capable de produire l'énergie à 7 centimes du kilowattheure. Alors, je ne sais pas si beaucoup ont idée de combien ils payent leur électricité, mais si on compte les taxes, en tout cas, aujourd'hui, on est rarement en dessous de 9-10 centimes du kilowattheure. Donc, ça veut dire que la parité a été faite. Alors, c'est un peu tronqué. La parité a été faite parce qu'on n'est pas obligé de payer les taxes sur l'énergie qu'on produit et qu'on autoconsomme, alors qu'on paye beaucoup de taxes sur l'énergie qui vient de... Les taxes de transport en particulier, et la fameuse CSPE qui est la taxe, on va dire, d'ailleurs certains donnent, c'est la taxe de subvention à la production d'énergie verte d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais donc c'est normal qu'on ne paye pas ni les taxes de transport, ni les taxes de subvention à l'énergie verte quand on produit sa propre énergie verte. Et donc on a une énergie qui est finalement, l'énergie des bâtiments logistiques sera probablement d'ici très peu de temps, l'énergie la moins chère, l'énergie électrique la moins chère produite. Et donc ça, c'est un énorme atout parce qu'on va pouvoir commencer à en faire quelque chose. Et alors, c'est vrai que nous, chez GSE, on se dit, bon, ben voilà, le bâtiment logistique dont on est certainement le leader en France, pourquoi aller le mettre pour consommer de l'énergie ailleurs que dans la supply chain? Ça serait quand même très, très bien de le faire dans la supply chain pour des questions plutôt éthiques, on va dire. Mais en même temps, pour des questions techniques, ça devient quand même tout à fait possible parce que c'est vrai que tant qu'on roule au gasoil, l'électricité verte, c'est difficile à utiliser. Mais aujourd'hui, on sait que le gasoil, il a un temps de vie qui est maintenant limité. Alors, on ne sait pas exactement quand va être l'arrêt. Tariel nous dira peut-être réglementairement quand est-ce que ça s'arrêtera réellement. Mais on voit apparaître des véhicules électriques, on voit apparaître des véhicules utilitaires électriques et on commence même à entendre parler. Hein. Moi, je vois des... Alors, c'est Hyundai, même Volvo, et puis des startups américaines qui commencent à annoncer les camions électriques et les camions hydrogène également. Donc, des gros porteurs qui vont être aussi capables d'utiliser les énergies électriques. Alors, l'hydrogène, on en reviendra, mais c'est l'électricité
et l'hydrogène sont assez sensiblement équivalents, si ce n'est qu'il faut faire une transformation de l'électricité en hydrogène ou l'inverse. Mais finalement, c'est une capacité de stockage. Alors, le stockage, c'est hyper important parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 80% qui n'est pas consommé immédiatement dans le bâtiment. Donc, il faudra le stocker quoi qu'il arrive. Comment on fait avec le surplus ? Il faut le stocker d'abord et ensuite, il faut trouver un débouché. Et le débouché peut être dans le bâtiment la nuit, mais encore une fois, ça ne suffira pas, ça produira toujours trop. Et il peut être dans le débouché de la mobilité électrique au sens large. D'accord. Et ça me paraît être hyper important. Et surtout, ça va devenir possible, puisqu'on a la mobilité électrique qui arrive, on a l'électricité verte pas chère qui arrive. Alors, il faudra que ça soit certainement suffisamment pas cher pour qu'on puisse rajouter la brique stockage sans que ça fasse exploser les coûts, parce qu'aujourd'hui, c'est certainement une des problématiques. Le stockage de l'électricité est encore trop cher. Là, on est au point de vue bâtiment. Je vais me pencher du côté transport. Tariel, par exemple, en termes de mobilité, on va dire, électrique sur vos flottes, ça donne quoi justement en termes de proportion? Oui, alors, on commence à voir, comme ça a été dit, un alignement de planètes entre effectivement le bâtiment qui pourrait et la mobilité qui pourrait, avec la question du stockage qui est au milieu. Je pense qu'il faut distinguer dans le monde du transport, alors on va parler plutôt transport routier de marchandises, donc comme on l'a dit, moins la partie aérienne et maritime. Néanmoins, il y a quand même des pré- et post-acheminements qu'on peut inclure. Mais je pense qu'il faut distinguer les cas d'usage avec l'hypercentre, l'urbain, le régional et la longue distance. Si on commence à voir aujourd'hui toute une partie hypercentre qui commence à être en mobilité électrique, ça commence avec les vélos, les vélos cargo, donc faible consommation certes, mais néanmoins électrique. Les VUL qu'on voit fleurir, on a des opérateurs avec des flottes de véhicules qui sont là sur la partie centre-ville avec des autonomies qui commencent à être intéressantes. Et puis commence à poindre son nez aussi sur des véhicules jusqu'à 7,5 tonnes qu'on peut utiliser, qu'on opère. Donc on en a quelques-uns dans la flotte, on va faire rentrer un certain nombre. Mais je veux dire, ça représente une part aujourd'hui infime. Je l'ai dit tout à l'heure, 98% de la mobilité au gasoil. Et je pense que nous, on est parfaitement, enfin une société comme la nôtre, on est parfaitement au reflet de tout ça. Donc notre mobilité en centre-ville, elle est au gasoil. Mais effectivement, les camions, les VUL sont là, les poids lourds commencent à arriver. Et donc l'électricité est vraiment l'outil sur lequel on pourrait effectivement axer notre stratégie. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on prône. Au sein de la direction donc de Schenker en Allemagne. L'idée, et ça fait exactement suite, c'est d'être en capacité de pouvoir produire cette énergie donc sur grâce aux bâtiments, de la stocker et de la remettre dans la mobilité. La question qui se pose, c'est sur le TCO global, part le coût électrique commence à être très proche. Les véhicules, ça commence à être intéressant aussi, même s'il y a encore des écarts. Mais bon, on peut encore, sur une petite flotte, les absorber. La question se jouera effectivement sur le coût majeur d'un véhicule électrique et donc sur le stockage. C'est la question des batteries et comment on va stocker cette énergie. Faut-il la retransformer en électrique pour la retransformer après en électricité? C'est peut-être pas la meilleure des choses, parce qu'il y a beaucoup de déperdition. Mais voilà l'enjeu. Et après, peut-être pour rebondir aussi sur le cadre législatif et réglementaire, le contexte, donc au niveau européen et au niveau national, donc on a une norme qui presse les conducteurs, donc c'est la norme Vecto, qui effectivement donne des objectifs de réduction des émissions de CO2. Et là, effectivement, ça appuie sur une réduction de 15% à l'horizon 2025 pour les constructeurs, donc à la sortie d'usine. Et puis, à l'horizon 2030, une réduction fixée à 30%. Donc voilà, déjà un cadre qui va pousser les constructeurs européens et les autres du reste à bouger. Et ça a commencé du reste. Ensuite, on a évidemment la notion de l'arrêt des carburants fossiles qui a été fixé à 2040 en France. Mais il y a un bon nombre de pays qui l'ont fixé à l'horizon 2030. En l'occurrence, les Nordiques. Et il y a quelques constructeurs issus des pays du Nord, donc
la Suède et les Allemands, du reste, en sont aussi sur 2030. Donc, est-ce que le calendrier sera amené à évoluer? Et puis, le troisième élément aussi à prendre en compte, c'est ce qui va se passer au niveau local, les ZFE et des politiques locales qui sont très, on va dire, qui ne sont pas très harmonisées, dans tous les cas de figure, pas toujours harmonisées, vont aussi pousser à la décarbonation. Donc voilà, je pense qu'il y a trois éléments pour répondre à ta question, Marc, qui vont pousser effectivement le rythme. Et si le rythme nordique est plus rapide que le rythme français, le rythme pourrait être plus accéléré. À voir. Ah, ce serait chouette. Finalement, vous vous disiez tout à l'heure que les étoiles s'alignaient, commençaient à s'aligner du moins. Justement, les accords, ça va se jouer comment entre chaque partie prenante, selon vous? On commence à voir des réflexions de manière transversale entre les chargeurs, les transporteurs, les commissionnaires, les énergéticiens, le monde... politique et le monde immobilier qui regardent ça avec le même prisme. Et donc on a des collaborations où on voit effectivement, si on produit l'énergie, alors on peut mettre un camion, alors il y a un client qui est intéressé, donc le puzzle se met intellectuellement en place, sans pour autant, on est dans le démarrage. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les 10 prochaines années vont être extrêmement intéressantes et vont demander beaucoup de gymnastique pour faire fonctionner cet écosystème nouveau. Je le représenterai comme ça, un peu comme dans une entreprise. Des fois, les entreprises travaillent en silo, et puis le service A ne travaille pas avec le service B. Ben là, on est un peu dans la même situation, et effectivement, il faut retirer ces clusters et faire en sorte que tout ça puisse communiquer et puisse avoir un objectif commun. Et je crois qu'on y arrive quand même à bien des égards. Pour vous, donc, c'est tout à fait concevable de considérer le bâtiment comme un centre de profit? Oui, ça c'est un. Oui, je crois effectivement le bâtiment dans le monde du transport, hormis pour stocker où il y a des revenus, tout ce qui est parti. On parle transport là, donc le cross-docking, donc où on passe du fret à quai pour le recharger, pour permettre effectivement la consolidation qui est le cœur de notre métier, n'aime pas les bâtiments. On essaie de les minimiser parce que c'est un centre de coût. Et donc, effectivement, avec cette question énergétique, et on a évoqué les toitures, mais je pense qu'il faut aussi évoquer les ombrières. On peut aller bien plus loin. Les ombrières, et puis d'autres styles d'énergie aussi, même si les panneaux photovoltaïques, c'en est un, mais il y a quand même 5 sources d'énergie renouvelables. On a des fleuves qui sont bien souvent auprès de nos bâtiments. On a la partie éolienne, je pense qu'il y en a. La géothermie peut jouer un rôle aussi. Donc, je pense qu'on n'a pas encore exploité tout ça. Il y a des briques, parfois On pourrait imaginer. Maintenant, je veux pas... je suis loin d'être un ingénieur en la matière et je voudrais pas... Mais je pense que... Effectivement, je pense que là, ça fait sens avec toute la question innovation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde les cartes qu'on a devant nous. Donc, il y en a qui ont « I have a dream » et puis d'autres qui peuvent le réaliser. Donc, il faut faire attention aussi à toutes les intentions qu'on voudrait enclencher qui sont des fois techniquement difficiles à mettre en place. Très bien. Votre vision, justement, sur le bâtiment en tant que centre de profit, Marc ? Oui, centre de profit énergétique, à coup sûr. Alors, je ne sais pas si ça compensera les loyers, etc. Mais au niveau énergétique, c'est sûr qu'on peut produire plus et on peut rapporter de l'argent plutôt qu'en dépenser. C'est-à-dire produire tout ce dont on a besoin et vendre le surplus. Ça, c'est... En tout cas, sur le bâtiment logistique, c'est vraiment complètement faisable parce que c'est vrai qu'il y a un potentiel qui est bien plus grand que la toiture. On parle des façades, avant les façades, il y a les parkings. Il y a beaucoup de parkings sur un bâtiment logistique. Et les parkings, c'est des ombrières. Il y a aussi des espaces verts. Alors, on pourra se poser la question, faut-il mettre des centrales au sol dans des espaces verts? Mais quoique les éoliennes, ça marche bien. Donc, on peut aller encore plus loin que les toitures. On peut aller plus loin, bien plus loin que 30% des toitures. Et donc... centre de profit à coup sûr. Après, il y a une équation clairement économique aussi à faire. Je crois que d'ailleurs, l'équation est plus économique que technique parce que les énergies vertes, techniquement, c'est maîtrisé. Toutes celles dont on a parlé, que ce soit le vent, l'hydraulique, le solaire, c'est des choses qui existent en réalité depuis très longtemps et maintenant qui sont très bien maîtrisées techniquement. Il faut arriver à les maîtriser au niveau économique.
Moi, j'aime bien revoir l'historique du photovoltaïque parce que c'est impressionnant la vitesse à laquelle on a réussi à faire décroître ce coût d'énergie. Oui. Hein. C'est un facteur 10 quasiment en 10 ans. Alors, si jamais on se dit qu'on peut faire ça avec toutes les énergies renouvelables, en fait, l'équation économique, elle va être vite réglée. Bon, c'est pas sûr qu'on y arrive aussi bien. Hein. Et puis, y a du politique, effectivement, derrière. Et puis, quoi qu'il arrive, le politique va servir à enclencher les choses. Hein. Il y a en 2010, le solaire a explosé à cause ou grâce aux politiques. En tout cas, il a coûté cher à la société à cause du politique. Mais la réalité, c'est que 10 ans plus tard, il y a eu des progrès phénoménaux. Et donc, ça, c'est aussi important à dire que ça ne pourra pas fonctionner sans deux choses. De l'huile dans les rouages. Il faut faire parler tout ce monde qui n'a pas l'habitude de se parler. Et la deuxième chose, c'est quand même des subventions ou des mécanismes qui permettent de lancer les engrenages. Et voilà, le stockage aujourd'hui, clairement, il n'est pas encore rentable. Si on veut qu'il le devienne, il va falloir qu'on mette de l'argent pour lancer la machine. Très bien. On parle beaucoup d'innovation. Je me tourne vers Fabien, qui a ses antennes tournées vers l'innovation. Des grosses tendances à identifier, justement, sur ce sujet-là, de l'énergie verte. Déjà, pour reprendre un peu les points de mes deux voisins, le sujet de l'énergie verte, c'est une espèce de mix complexe entre des problématiques d'innovation, parce qu'à l'échelle mondiale, énormément, soit d'entreprises, soit de grands groupes, soit de start-up, pardon, soit de grands groupes, travaillent sur ces sujets, donc il se passe des choses quasiment tous les jours, c'est un premier point. Le second point, on l'a beaucoup évoqué, c'est la problématique du business model qui est derrière tout ça. La problématique du business model, elle impose une problématique de collaboration. Pourquoi ? Parce qu'aucune entreprise seule dans son coin ne fera quoi que ce soit sur des sujets aussi colossaux et qui sont aussi, ils vont nécessiter beaucoup de cash. Hein, donc à un moment donné, voilà, après, il faudra se demander comment, mais on ne transformera pas nos métiers sans avoir cette partie-là. Donc on passera au bout du bout par un sujet de co-développement. Parce que voilà. Donc en effet, on est sur une logique d'innovation et de collaboration. Et on peut en parler d'ailleurs avec Marc, mais quand Marc commence à nous dire il y a quelques mois, nous on a un sujet autour de l'hydrogène, etc., on s'est dit ok, il faudra peut-être qu'on mette des gens autour de la table qui ont ces mêmes défis, pas pour les mêmes raisons, pas pour la même origine de métier, enfin l'origine de métier de GSE, c'est pas l'origine de métier de DB Schenker. Bon, voilà, on a commencé à en parler avec DB, on a aussi parlé avec un FM Logistique, on a proposé de mettre Solar Impulse dans la boucle parce que les gens qui travaillent aussi là-dessus. Voilà, la collaboration, la co-construction, c'est pas des gros mots, c'est des vraies logiques du futur. Voilà. Après, la problématique de l'innovation, une des difficultés majeures de la supply chain aujourd'hui, c'est d'arriver à voir le plus vite possible et d'identifier le plus vite possible les sujets pertinents. Parce qu'il y a une espèce de brouhaha médiatique mondial de l'innovation, et il y a une énorme différence entre une invention et une innovation. Et ça, c'est quand même un défi. Souvent, on l'oublie, cette histoire-là. Je veux dire, le fou génie qui mène à rien, c'est pas un sujet, quoi. Je veux dire, ça, c'est de l'invention. L'innovation, c'est quelque chose qu'on peut passer à une échelle industrielle. C'est scalable, oui. Voilà, c'est scalable. Et dans les sujets qui sont autour de nous, quand vous avez deux leaders comme mes voisins, il ne s'agit pas d'avoir un petit truc qui marche sympa dans un labo. On parle d'entreprises qui vont avoir besoin de déployer à une échelle mondiale un processus. Et c'est là où est le défi. Donc c'est une innovation qui soit vraiment très qualifiante en amont, à l'échelle mondiale, et qui dise, voilà, l'option la plus crédible et avec telle échelle de temps, c'est ça. Comment ça peut se mettre en place ? On va déjà étudier la faisabilité. Et comment les entreprises vont collaborer pour essayer de réduire les coûts et les risques des uns et des autres ? Parce que le débat est là aussi, hein, c'est la réduction des coûts et des risques. Parce que derrière cette volonté de transition, les entreprises, je vais revenir à ce que je disais au départ, hein, CF, rentabilité des entreprises du secteur. Donc, les défis, il faut quand même pouvoir les supporter économiquement, ces défis. Parce qu'il y a ce que veut la planète, il y a ce que veut le peuple, il y a ce que veut les États, mais il y a ce que peuvent aussi. On oublie souvent de parler de ce que peuvent les entreprises. Bien sûr. Et ça, c'est un débat. Et pour le coup, je pense que dans ce défi, il est plus facile pour moi. Bon, alors nous, on le fait tous les jours, donc OK, mais c'est quand même plus facile de scanner l'innovation et d'essayer d'avoir des axes prioritaires, c'est presque plus facile de faire ça que de dire, OK, maintenant qu'on a des sujets, commençons à se mettre autour de la table, commençons à mettre les différents parties autour de la table et se dire, OK, comment ça pourrait avancer, c'est quoi l'échelle de temps, de quelle dimension industrielle on parle, et après, parlons coût,
Nous, on travaille ensemble toute l'année, donc OK, on le voit bien. Mais c'est sympa de le partager sur un plateau comme celui-ci. Mais bon, voilà, c'est qui sera prêt à jouer, qui sera prêt à partager de la connaissance, à partager de l'action, à partager du budget, et est-ce qu'on aura des aides, si oui, sous quelle forme, de quelle origine, des aides nationales, européennes, internationales, pour aider cette transition. Les défis sont là, oui. D'accord. Et justement, si on doit mettre une chronologie, je pense par exemple notamment aux objectifs de décarbonation qu'on a évoqués tout à l'heure, les étoiles s'alignent encore une fois ou c'est vraiment deux chronologies complètement décorrélées ? Alors, moi, mais avec un petit peu de recul sur nos métiers, je trouve quand même que beaucoup de choses se sont accélérées en peu d'années. Malgré tout, parce que j'ai encore souvenir il y a quelques années, quand dans mes expériences précédentes, j'investissais dans des camions électriques, tout le monde me disait, mais ça coûte 30% plus cher, c'est impossible d'intégrer ça dans sa flotte, parce que eu égard aux marges, on revient toujours, c'est un peu mécanique, mais enfin, on est quand même dans des métiers de centimier, donc pour le coup, comment faire ça? Bon, bref, on s'aperçoit aujourd'hui que des grands leaders du transport de monocolis annoncent décarboner la ville, décarboniser la ville, etc. Donc on voit quand même qu'il y a eu une prise de conscience et que les entreprises ont fait l'effort. Elles ont fait l'effort, qui n'est pas évident parce que malgré tout, l'offre technique n'est pas toujours en face. Moi, j'entends beaucoup parler, où on vient beaucoup nous voir avec des scooters électriques, des vélos électriques. Bon, super, très bien, mais on ne va pas livrer 24 palettes dans un grand distributeur avec un scooter électrique. Il faut juste... Il faut les infras. Donc, toute proportion gardée, nos métiers ils sont complexes et on ne peut pas se passer d'une brique comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on met trois vélos devant que derrière, on a réglé le problème des avions. Oui, bien sûr. Le premier défi, il est aussi dans les cerveaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne peux pas me battre pour une transition énergétique, machin, et puis le soir même, être sur Amazon, commander un produit qui arrive de Chine, voire dans 24 heures, quoi. Juste. Enfin, quand même, tout petit problème thématique de schizophrénie des consommateurs. Moi, personnellement, je connais trop bien nos métiers. Mais la même personne qui va vouloir ne plus voir un seul camion dans la ville ne sera pas du tout gênée de commander sur Amazon le soir même un produit qui arrivera de Chine. Vous parliez du triptyque État, consommateur et puis au final professionnel et logistique, il faut aussi que la promesse client évolue finalement. Disons que la réflexion est assez globale. Réflexion est assez globale et tout le défi n'est pas que dans nos métiers. Ouais. Les professionnels du secteur, et il n'y a qu'à voir à côté de moi, nos professionnels ont pris le sujet. Ils l'ont pris. Enfin, je vois les véhicules, j'ai vu des semi-remorques électriques chez DB. Enfin, voilà, je vois les efforts qui sont faits chez GSE sur les bâtiments HQE. Enfin, voilà, on pourra en citer d'autres autour de nous. Nos clients font ce genre d'efforts. OK, le point est pris et les investissements sont faits à des échelles importantes et avec des stratégies au niveau des COMEX qui ne sont pas neutres. Donc voilà, il n'y a qu'à voir ce que fait la Poste en France. Enfin, ce n'est pas limitatif aux personnes qui sont autour de cette table. Donc, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu déjà un premier mouvement de fait majeur, on ne peut pas dire. Il y a un pivot, si on parlait un peu langage start-up, un pivot qui a été fait. Mais bon, voilà, je pense que c'est une vision... Et puis c'est une vision mondiale aussi, ça ne s'arrête pas au... Je me marre toujours quand je vois des trucs très logistiques, très France, machin, je ne sais pas quoi. Et la logistique, elle ne s'arrête pas aux frontières des pays, ça se saurait. Et du coup, les effets de ce qu'on peut produire, nous, comme gaz à effet de serre, ça s'arrête absolument pas aux frontières françaises. Enfin, loin s'en fout. Très bien. Et ce sera le mot de la fin. Moi, je retiens surtout que le principal challenge est dans le cerveau. Cette formule-là m'a beaucoup plu, Fabien. Nous allons passer au moment de questions-réponses, mais avant, un petit jingle. De retour sur le plateau d'Agora Média pour le moment de questions-réponses. Comme le précédent webinaire, cette modération est assurée par François-Xavier, donc membre du comité de pilotage des directeurs du Supply Chain Management. François-Xavier, bonjour à nouveau. Une première question. Oui, bonjour à tous. Il y a quelques questions qui vont nous amener un tout petit peu plus loin encore que ce que vous venez de faire. Et il y a beaucoup d'attention à certains points qui concernent notamment la construction des bâtiments avec les objectifs qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de décarbonation au moment où on optimise les structures, où on choisit les solutions de sol clair, de sol réflectif, on parle de durabilité ou de recyclabilité des produits employés. Oui, effectivement, c'est un sujet non abordé, mais dans la décarbonation du bâtiment,
Aujourd'hui, il y a, en fait, il y a d'ailleurs une, là aussi la réglementation qui va changer. On parle beaucoup dans le bâtiment de RE 2020. Alors la RT 2012, c'est la réglementation actuelle, réglementation thermique 2012. La RE 2020, c'est la réglementation environnementale 2020. Alors on a toujours un petit peu de retard, elle devrait arriver qu'en 2021. Mais ça veut dire quoi environnemental? Ça veut dire qu'on ne parle plus que de thermique, mais on parle de carbone. Aujourd'hui, on a ce qui préfigure cette future réglementation qui s'appelle le référentiel E+, C- et qui parle d'énergie positive et C- pour carbone moins. Et alors aujourd'hui, on construit d'ailleurs des bâtiments. Nous, on a deux plateformes logistiques en ce moment qui devraient se livrer d'ici quelques mois, qui sont probablement les premières plateformes qui vont, trois même, qui vont être ce qu'on appelle E3C1, c'est-à-dire BEPOS au niveau énergétique et le niveau 1 du carbone, c'est-à-dire finalement réduire le carbone dans la construction. Et en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui que réduire le carbone dans la construction, on parle beaucoup, mais ces bâtiments étant peu énergivores et en plus, on est en France et on consomme beaucoup d'électricité décarbonée, si on regarde ce référentiel, je crois qu'on est à 70 ou 80% de la production de carbone du cycle de vie du bâtiment, c'est en fait les matériaux de construction. Et donc, on réfléchit énormément à comment on va aller chercher des matériaux de construction décarbonés. Et ça, c'est encore un très vaste sujet, en fait, qui touche vraiment toute l'industrie amont. Alors évidemment, logiquement, on va parler de bois. Aujourd'hui, il faut savoir que les bâtiments logistiques, et GSE est fier d'avoir certainement contribué fortement à amener le bois dans les charpentes de nos bâtiments logistiques. Aujourd'hui, chez GSE, on fait plus d'un bâtiment sur deux avec des charpentes mixtes, mais des poteaux béton et toute une charpente en bois. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Hein. On reste beaucoup de bitume, beaucoup de dalles béton. Et là, il va falloir aller chercher comment on fait du bitume et du béton et des cailloux bas carbone. Mmh. Et c'est un défi majeur des producteurs industriels de ces matériaux. Ouais. Si on élargit le débat un petit peu à d'autres pays, et vous êtes tous les trois présents sur l'international, est-ce que vous voyez des bonnes pratiques qui vous paraissent intéressantes à connaître, à diffuser? Vous avez parlé un peu des différences de réglementation, d'objectifs de réduction des empreintes carbone. Est-ce que vous voyez aussi des bonnes pratiques dans certains pays qui pourraient gagner à se répandre? Oui, au sein du CLECAT et au sein de Schenker, effectivement, on a quelques échanges en la matière. Je pourrais citer, par exemple, les Allemands qui sont en train de mettre en place toute la partie taxation. Enfin, ils ont déjà mis en place la MAUT. Ils mettent en place la taxation carbone avec un taux de change du carbone dans le monde du transport qui devrait voir le jour l'année prochaine. Donc ça fait un système de change carbone qui aura certainement des conséquences effectivement sur toute la partie mobilité. On a évidemment les Nordiques, les Suédois, qui importent des produits français dérivés de la partie viticole pour faire tourner leurs bus à l'éthanol. Donc l'ensemble des bus sur le territoire suédois roule à l'éthanol. Donc effectivement, il y a des avancées dans les pays du Nord. On voit aussi, j'ai l'impression aussi, des gouvernements qui aident des initiatives sur des éléments très structurants pour la ville. Les Norvégiens, par exemple, avec des dépôts urbains, mais organisés par la ville, et donc qui donnent le là sur comment il faut l'organiser. Alors évidemment, la Norvège, ce n'est pas la France, mais quand même. Il y a des éléments aussi à tenir compte, on n'a pas trop parlé, mais l'électrification va aussi sur les autoroutes électriques, les caténaires ou dans le sol. Là encore, les Suédois, ont les trois systèmes qui fonctionnent. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes. Mais après, je pense que la France n'est pas en reste. Je pense qu'on a un cadre réglementaire qui est probablement un des plus pointus. Mmh. On a une belle effervescence. Et pour citer ma responsable décarbonation au niveau d'une Allemande, elle m'a dit écoute Tariel, j'aimerais bien venir bosser en France parce que c'est là que les choses se passent. Donc voilà. Donc on a fait des choses et on en a à faire. Ouais. Marc, c'est assez vrai que je pense pas qu'on soit les derniers de la classe. Voire je pense qu'on est vraiment dans le peloton de tête en France. Et en particulier, moi, je vois beaucoup dans le bâtiment, et notamment, ça vient des réglementations américaines, qui, en fait, compensent le carbone qu'ils produisent, alors qu'en France, on a cette ambition de réduire le carbone qu'on consomme. Et ça, c'est...
Voilà, commençons par réduire tout ce qu'on peut. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut commencer à compenser. C'est d'ailleurs le même parallèle avec les énergies. Et je pense qu'on y est arrivé. L'énergie, on la réduit. Et je pense qu'il est temps de commencer à la produire parce que ça devient plus rentable de produire le peu qu'il nous reste à consommer. Le carbone, on est au tout début. Donc commençons par le réduire et ensuite, on regardera le compenser. Fabien, sur le sujet. Juste, c'est vrai que longtemps, on était un peu renfermé sur nous-mêmes et la France n'était pas un leader d'opinion sur des sujets d'innovation et en particulier sur ces sujets-là. Et ça, ce temps-là, il est fini. Voilà. La France, en 10 ans, a fait un retournement complet de son innovation et merci les démarches French Tech, BPI, etc. Et énormément, la France est devenue une terre d'innovation majeure et en particulier sur ces sujets-là. Et que ce soit d'ailleurs auprès dans les start-up, mais enfin, on pourrait aussi citer des boîtes comme Colas qui ont lancé des bitumes qui captent de l'énergie. Enfin, donc là, il n'y a pas non plus l'innovation, ce n'est pas toujours quand les start-up. Il y a aussi de très grands groupes qui font des choses assez incroyables. Toujours est-il que voilà, la France n'a pas à rougir de ça, au même titre que sur des thématiques type robotique, hein, par exemple. La France n'a pas à rougir. Il y a beaucoup de sujets, et en particulier dans notre monde supply chain, la France, à l'échelle mondiale, est très dynamique. Très dynamique. Après, il y a aussi nos voisins, mais on est quand même en Europe plutôt leader. Et toi, tu le vois sur le marché européen, c'est assez clair. Il se passe des choses liées à la ville, la smart city et les impacts du transport au niveau asiatique, mais qui est très lié à la densité de population. Donc là, on a des innovations majeures qui sont autour du scooter électrique, etc. Mais parce que les densités sont telles qu'il y a des modèles logistiques qu'on ne peut pas forcément calquer dans des villes occidentales. Hein. Mais voilà, donc il y a des choses à observer. On ne peut pas toujours dupliquer des modèles, mais il y a des choses à observer. Et les innovations sont des fois un petit peu liées à l'origine même des pays. On ne peut pas comparer le sol américain, qui n'a pas la même structure. Enfin, le territoire américain n'est pas composé comme le territoire européen ou comme le territoire asiatique. Donc du coup, les innovations, elles sont un peu liées à ça. Oui, les matériaux sont localisés. On revient au basique finalement. Il nous reste 3 minutes. Une dernière question. Oui, peut-être une question pour satisfaire ceux qui ont des entrepôts anciens et pas forcément les moyens de faire du neuf tout de suite. Qu'est-ce que vous préconisez pour la neutralité énergétique de bâtiments plus anciens que ceux qu'on construit maintenant ? Allez, vaste question. Les entrepôts coûtent tellement pas cher qu'on a tendance à abandonner les anciens, à reconstruire des nouveaux et généralement les anciens ont économiquement été rentabilisés. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas si évident que ça de faire de faire l'équation économique. Et peut-être que ce qui va rentrer en compte et certainement arriver, c'est la raréfaction des fonciers. C'est-à-dire que quand on trouvera plus de terrain pour construire les bâtiments neufs, alors on réfléchira plus de la même façon. De toute façon, il faudra rester sur les terrains anciens. Et on est en train d'y arriver. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus sur des bâtiments anciens. Alors la question de faut-il les rénover ou faut-il les raser et les refaire, c'est pas toujours évident. Il y a vraiment des questions de normes souvent sur l'ancien quand même. Un entrepôt, c'est aussi truffé de beaucoup de normes avec toutes ces installations classées pour l'environnement. Et c'est pas si évident que ça de refaire. Alors après, si on touche pas à la structure, etc., ben c'est sûr qu'on peut quand même changer les équipements techniques, changer de l'isolation. Et puis rajouter de la production, si ce n'est pas sur le bâtiment, parce que ce n'est pas si évident de rajouter des toitures photovoltaïques sur un bâtiment ancien. Je pense que ceux qui ont essayé s'en souviennent encore que, en général, on les a construits au plus juste. Donc, mais il reste des parkings, en général, qui peuvent être là aussi des productions assez intéressantes, parce que, j'allais dire gratuites, pas gratuites, mais qui sont faisables en tiers investisseurs. Ça coûte zéro de faire une ombrière photovoltaïque pour les propriétaires de parkings. C'est, on va dire, que la rentabilité permet un tiers investissement sans trop de problèmes. Tariel, vous avez un avis sur le sujet ? Non, ça va dans le même sens, effectivement, la partie rénovation des toitures. En profiter, si le bâtiment en tient, de rénover les toitures et d'y apporter effectivement cette partie photovoltaïque. Et puis, effectivement, tiers investisseur sur la partie des ombrières. C'est probablement les actions les plus simples. Un bilan énergétique du bâtiment permet aussi d'aller voir, d'arbitrer, de voir les fuites et où est-ce qu'il faut placer l'argent pour arriver à le rendre le moins gaspillant possible. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour clore cette belle table ronde. Merci Tariel, merci Fabien, merci Marc pour cet échange dense et riche et qui a touché du doigt
des enjeux qui vont impacter, je pense, toutes les organisations. C'est aussi l'occasion de remercier les équipes d'Agora Manager et d'Agora Media, ainsi que nos autres partenaires, je pense à Supply Chain Village, qui est notre partenaire Media Gold, Supply Chain Event, la SITL, Supply Chain Magazine. Je vous retrouve dans 15 minutes pour le dernier temps fort de ces journées digitales et internationales de la Supply Chain. Nous parlerons de bien-être au travail en tant que politique de fidélisation et d'engagement des collaborateurs, mais version Supply Chain, avec Frédéric Martin chez Cdiscount et Cécile Tricot chez Prologis Europe du Sud. À tout de suite.